11e jour du jeûne de Daniel. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Hébreux, chapitre 6, versets 4 à 6. L'accommodation est un des ennemis majeurs de la foi. C'est votre effort et votre dévouement dans l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes qui vous transforme en un véritable enfant de Dieu. Un jour du jeûne de Daniel sur le mont Hermon.